Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la première étape de notre trip. Non, mais, mais c'est Vince Moped. Donc voilà, toujours avec les deux mêmes, on rigole bien. Donc là, aujourd'hui, on est à Bonneval-sur-Arc, voilà, à 1800 mètres. Et là, on va se taper le col de l'Iseran. Donc il y a à peu près 13 km voilà, où ça monte dur, dur. Donc voilà. Direction Annecy, si tout va bien ce soir, on sera à Annecy. Donc voilà. Je vous fais un petit point de vue. Donc là, hop, Bonneval, c'est l'un des villages les plus hauts d'Europe. Super belle vue. Voilà, donc les machines sont là. Cette année, John a repris 151. Moi, la 103 VS, la orange que vous commencez à connaître. Et puis la MVL de John. Voilà, donc cette année, le défi, c'est aussi de le faire en 103. L'année dernière, c'était tout en motobécane, un peu trop facile. Donc cette année, on est deux en Peugeot, un en motobécane. Allez, donc là, je vais faire le plein de ma machine et puis bah, on va y aller, hein, on va se lancer dans l'ascension du col de l'Iseran. Ascension du col de l'Iseran, donc John et John sont devant. Moi j'ai dû m'arrêter pour resserrer un peu les vis du pot qui se barraient. Et bah voilà, pour bien casser dans l'élan, un petit peu de chantier. Donc déjà que j'étais à la bourre sur eux, j'attends ma petite minute, système start and stop activé. Voilà, pour pas trop consommer, et puis on va repartir dans moins de 10 secondes. Allez. Allez, on est bien arrivé au sommet du col de l'Iseran, non sans mal, mais voilà, c'est fait. Ça a été dur, hein. Ça me rappelle un peu la bonnette qu'on avait fait l'année dernière, même si la machine l'année dernière elle marchait beaucoup mieux. La 88 était beaucoup plus coupleuse que la 103, là j'ai vraiment galéré. Mais bon, voilà, lui il est fait, je pense que c'était le col le plus important de la journée. Donc voilà, là on va redescendre sur Val d'Isère et puis après on va essayer de manger. J'ai une petite casse d'une vis de peau, donc on va voir ce que ça donne. On va essayer de réparer ça après manger, mais la vue est imprenable. Aujourd'hui, j'ai réparé mon pot, on a remis une vis tant bien que mal, je sais pas si vous arrivez à voir. C'est une réparation un peu de fortune. Malheureusement j'ai pété une ailette du cylindre Giardoni, mais bon c'est comme ça. Et là donc on s'attaque au petit Saint-Bernard. See you.
On est bientôt arrivé au sommet. Le sommet il est là du petit Saint-Bernard et je viens de perdre le sac, le bidon. Tout va bien. Bon, je refixe ça et puis on fait un petit plan quand on sera au sommet. Mais là, c'est super chouette. Avec les nuages, on voit pas trop, mais c'est vraiment joli. À l'école du petit Saint-Bernard, on est arrivé. On a fait la petite photo. Là-bas au fond, c'est la frontière italienne. On a juste posé le sticker et là, on redescend parce que hop. Je demande si on va pas se prendre la pluie sur la gueule. Donc on redescend vite fait. Allez, donc petit arrêt pour. À la base, c'était juste pour faire le plein. Mais comme je vous disais tout à l'heure, là on vient de prendre l'orage avec même des petits grêlons. Donc voilà, on est à l'arrêt. Alors aujourd'hui, on a fait 160 km pour l'instant. Quelques péripéties avec mon pot d'échappement, je vais vous montrer vite fait. Hop. En fait, c'est. Bon là je l'ai remplacé, hein, mais ici j'avais une vis BTR et c'est la tête de la vis BTR qui a cassé. Donc c'était une grosse galère pour enlever le reste de la vis. On y est arrivé tant bien que mal. Malheureusement on a cassé une ailette du Gilardoni. Voilà, bon c'est les aléas du direct, hein, c'est comme ça. Donc voilà, là j'ai remis une vis avec un écrou, j'ai mis du frein filet parce que ça vibre pas mal. J'avais mis un écrou frein nil stop mais il s'est barré aussi. Donc là j'essaye avec du frein filet, voir si ça tient mieux, mais bon c'est pas garanti. Donc là on va attendre que l'orage passe. A priori de l'autre côté là-bas ça a l'air d'être un peu plus joli, donc on va attendre un petit peu avant de reprendre la route. Allez, on vient d'arriver au Cormet de Roseland, là, vous voyez John, enfin, je sais pas si vous le verrez. Il y a une espèce de brume bizarre, pluie, enfin on n'est pas bien du tout. Tout à l'heure on est passé un peu à travers les gouttes, on a esquivé un peu l'orage. Les deux John avaient mis les tenues de pluie, moi je suis passé à côté. Mais là il fait très humide. Un espèce de brouillard de merde et c'est pas terrible, on voit pas à 2 mètres. Voilà. Donc là en théorie c'est le dernier col de la journée, on va redescendre tout doux direction Annecy. Vraiment des conditions pas terribles pour faire de la mobilette. J'ai eu la merveilleuse idée d'arrêter la machine pour faire le plein. Avec l'humidité sur la courroie, j'arrive pas à la redémarrer. Là on se prend la saucée depuis tout à l'heure. Excusez-moi pour le cadrage, je tiens la machine en même temps. Sinon le cadre est beau. On voit pas grand chose, mais il y a un lac là. C'est super joli. Donc voilà. Là j'arrive pas à redémarrer la machine. Apparemment un petit peu plus loin. Il y a une espèce de préau. On va pouvoir se mettre à l'abri, sécher bien comme il faut la courroie. Pour essayer de redémarrer. Sinon ça roulait pas trop mal sous la pluie. J'ai hésité à l'arrêter pour faire le plein et j'aurais pas dû. Voilà. Je saurai pour la prochaine fois. Première étape de road trip compliquée. Il me reste encore une cinquantaine de kilomètres. Tant ce matin, il faisait beau, tout allait bien. Parce que tu souches le pot d'échappement, mais ça c'est que dalle. Et là, cette pluie, c'est vraiment casse-couille. Bon, allez, on va essayer de redémarrer la machine.
Allez, on vient de descendre le col, du coup je suis descendu tout en roue libre. Je voulais vous filmer ça, comme ça je pouvais parler, la mob faisait pas de bruit. Bon, la GoPro, elle a crashé, impossible de la redémarrer, donc là j'ai changé la batterie. Et c'est reparti. Donc ouais, on n'arrive plus à faire craquer la machine, là, on pense qu'avec l'humidité, la courroie, le vario, ça a tout pris l'humidité, donc c'est compliqué pour nous de la redémarrer. Voilà, donc là on est à peu près au sec, il fait un peu meilleur. On va réessayer. Et puis voilà, il nous reste à peu près une quarantaine de kilomètres, je dirais, pour arriver à notre hôtel. On est tous trempés des pieds à la tête. Donc voilà, c'est génial. Donc je vous tiens au courant, là, on va réessayer une énième fois de redémarrer en espérant rentrer sans pousser. Allez, à la redémarrer, on va pouvoir repartir et achever cette première étape pleine de galères. Allez, j'espère vous reprendre pour la fin de cette première étape. Allez, fin de cette première journée laborieuse, on est enfin arrivé, là on est à 3 km de l'hôtel. Voilà, on est chez Fred des fondus de mob savoisiennes, pour ceux qui le suivent sur YouTube. Voilà, donc ce soir petit barbecue entre mobeurs tranquille. Donc là on a une vue vraiment imprenable sur le lac d'Annecy. C'est vraiment super chouette. Les mobs sont là, arrivés sains et saufs. Mais c'est Vince, mon père! Ça va être son truc toute la journée, toute la semaine. Donc voilà, fin de ce premier jour de road trip laborieux. J'espère que ce sera pas toute la semaine comme ça. Normalement, demain, on a un peu moins de bornes, donc voilà, ça devrait aller un peu mieux. Sur ce, je vous laisse. A plus, ciao ciao. N'hésitez pas à vous abonner YouTube et Insta. Allez, à plus.